Mala et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur deux points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'une année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idriss Déby. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition. De transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous sommes, que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça, c'est très important pour nous. Et en même temps, assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Autre chose, situation sécuritaire à l'est du pays. Deux bombes en une journée hier sur Goma. Eh bien, aucune perte en vies humaines, rassure l'armée. Les forces loyalistes s'activent à déjouer les attaques simultanées lancées par les terroristes de l'armée rwandaise sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Un engin explosif lancé par des terroristes d'M23 est tombé ce mercredi 7 février à Mugunga, une zone à forte concentration de la population. Fort heureusement, aucun dégât en vie humaine n'a été déploré en dépit de quelques éclats qui ont légèrement endommagé un centre hospitalier et un hangar du marché du bois dont les tôles ont été légèrement déchiquetées. Quelques témoignages de la population du millier. Pendant que je balayais, un engin est tombé tout près de moi. Les impacts ont été ressentis dans ce hangar. C'était au moment où les élèves allaient à l'école. Donc, nous avons peur d'aller même au travail parce que tout peut arriver et à tout moment. Donc, bien atuletea boga tuna kuwa na boga kutumika kazi. Jusa ni sabi ngine vineza anguka na bitatua. Mtoto alikuwa naenda soma, alikuwa karibu hapa hivi, hapa mwaka njia. Un élève a été touché à la tête. Nous avons entendu un grand bruit. La maison d'à côté a été touchée et les impacts sont visibles. Direct, mtoto tukaona dami natoka mukichu. C'est de noter qu'un autre tir de mortier en provenance des lignes de front de la part du M23 est tombé au quartier Lac Vert. Dans la cité de Sake se vide, la population fuit les combats et se dirige vers Goma. Une forte affluence des habitants de Sake et des localités environnantes dans la ville de Goma. Ces populations qui se sont déplacées ont été gagnées par la panique craignant les attaques de l'ennemi. Plus de peur que de mal. Ça qui est toujours sous contrôle des FARDC, renseigne notre source. C'est juste une panique qui a gagné la population. Les M23 voulaient prendre Sake, mais n'ont pas pu. Se déplacer ne savent pas où ils vont passer la nuit.
Il demande l'assistance auprès des personnes de bonne volonté. Il y a beaucoup de déplacés de Sake, de Minova, et nous manquons à manger et même où reposer la tête. Ici, nous n'avons pas de famille ni à manger. Nous dormons à l'étoile avec. Toujours au Nord Kivu, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekoukali Popo est allé réconforter les sinistrés de Mangina. Le vice-gouverneur est à Beni depuis l'après-midi de ce mardi 6 février 2024. C'est au nom du gouverneur Peter Chirimwami que le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo est en itinérance dans cette partie nord de la province du Nord Kivu à l'aéroport de Mavivi. Le vice-gouverneur a été accueilli par les maires intérimaires de Beniville et l'administrateur du territoire de Beni. De là, le vice-gouverneur s'est rendu à la commune rurale de Mangina, située à près de 30 km à l'ouest de la ville de Beni, où il a échangé avec la notabilité de cette entité, occasion pour l'autorité provinciale d'encourager la collaboration entre civils d'une part et les forces de sécurité et de défense d'autre part. Des informations qui nous sont parvenues, il y a eu des troubles à l'ordre public qui ont émaillé la cité de Mangina et nous sommes venus en tant qu'autorité politico-administrative nous enquérir de ce qui s'est passé à l'époque où les enfants de Mandina se sont battus entre eux, il y a eu des morts, il y a eu des pillages, il y a eu des maisons qui ont été incendiées et nous sommes venus pour les réconcilier. Les habitants de Mangina se disent réconfortés par la présence de l'autorité provinciale à qui ils ont transmis leurs doléances. C'est le cas de M. Rigen Bichuma, président du conseil communal de la jeunesse de la place. La présence du gouverneur, du vice-gouverneur policier, nous sommes déjà réjouis parce que nous avons donné toutes nos difficultés, tous les problèmes que nous avions à la municipalité de Mangina. Nous lui avons déjà soumis cela. Il a déjà donné aussi certaines pistes de solutions comme propositions, comme voie de sortie de cette crise. Rappelons que Mangina avait été le théâtre des incidents graves ayant coûté la vie à cette personne le 8 janvier dernier. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo et faire échec à toute forme de manipulation et désinformation. Propos du porte-parole de Forces armées de la République lors du briefing tenu mardi dernier. On l'écoute. Des combats sont en cours autour de la localité de Chacha et du contrôle de la route nationale numéro 2 Sake au nord Kivu et Minova au sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, a dit les porte-parole des FARDC le mardi 6 février au cours d'un briefing avec la presse. Pour le général-major Sylvain Ekenge, c'est une question existentielle. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent Kirouche alors que la bataille est concentrée dans les hauteurs de Chacha au niveau de Masisi et Rutshuru. Des frappes de l'armée loyaliste ont causé beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Les porte-parole de FARDC a loué la détermination de nos soldats au front avant de rassurer que des moyens ont été mis en place pour relever ces défis. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Il faut absolument barrer la route aux ennemis.
public et faire échec à toute forme de manipulation et désinformation. Le ministre de la Communication et Médias a fustigé la manipulation et la désinformation véhiculées dans les réseaux sociaux. Patrick Muyaka Timbwe a saisi cette opportunité pour exhorter la population congolaise au devoir patriotique en cette période d'agression. Les porte-parole du gouvernement a également dénoncé la machine de la manipulation qui tourne en plein régime, faisant partie de la stratégie de l'ennemi. Chaque information, quand vous la recevez, avant même de la partager, et ça c'est une exhortation que nous faisons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Parce qu'une information, lorsque vous la partagez sans savoir d'où elle vient, peut-être qu'involontairement, vous pouvez faire les jeux d'ennemis qui ne visent qu'une seule chose, nous diviser et nous démobiliser. Ici, nous allons donner une réponse à tout ça, en nous mobilisant comme nous avons toujours été, pour nous assurer que nous, Congolais, dans le cadre de notre devoir patriotique, quel que soit notre rang social ou notre position, nous contribuons à défendre l'intégrité de notre territoire. En ces moments cruciaux que traverse la République démocratique du Congo, l'information, la vraie information, c'est donc les porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaka Tembe, s'emploie à véhiculer dans tous les coins de la République démocratique du Congo à travers les briefings hebdomadaires. J'insiste pour ceux qui nous suivent qu'il ne faut pas s'essayer à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est l'objet de campagnes et de diffamations. Ceux qui ont moni information et l'équipe, qui est né dans RTNC à la 20h, tout au Tangi ACP. Bah, média, bah, ça, là, qui est fort à co-vérifier, ce n'est que de cette façon, les Kotoroki, qu'on sait prémunir, dans ma Kambouana Nyonso. Il revient à la population congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Face à la situation actuelle à l'est du pays, Freddy Kapita, acteur politique, appelle la population à une mobilisation derrière le commandant suprême de forces armées de la République. Dans les nations de l'Est, oui. Les Congolais devraient retenir ceci. Le pays fait l'objet d'un complot international. Très bien. Donc là, de Trump condamne ce qui se passe ici, condamne ce que le Rwanda fait. Si les Congolais qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe se regroupent tous, ceux aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, et l'Union européenne, pour condamner ce qui se passe au Congo, les démocrates vont prendre peur. Ici au pays, je salue de main de maître, je tire mon chapeau devant la spontanéité des jeunes qui étaient devant l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de l'Union européenne. On change de chapitre, direction Afrique du Sud, où se tient la 30e édition d'Indaba Mining. Présent à ses travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a saisi l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs miniers de choisir la RDC pour les opportunités d'affaires. S'inscrivant dans l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la chaîne de valeur ajoutée locale des minerais en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a invité les opérateurs miniers à des investissements responsables et durables en République démocratique du Congo. Invitation lancée au cours du breakfast de la République démocratique du Congo, organisé ce mercredi 7 février 2024 en marge de la 30e conférence minière d'Indaba à Cape Town. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'avais clairement indiqué de ce qui est attendu d'abord de nos populations, parce qu'il s'agit d'abord d'elles lorsqu'on parle de tirer profit. Et ensuite, de vous, du point de vue du pays. Et en ce qui nous concerne, nous avons clairement indiqué, d'abord, que nous saluons tout l'investissement déjà fait en République démocratique du Congo, et invité à ce que les acteurs ici présents soient des ambassadeurs auprès d'autres investisseurs qui voudraient nous rejoindre. Et pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre, cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous voulons être à l'écoute des acteurs du secteur minier pour tous les jours voir
améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Nous parlons tous les jours de valeurs ajoutées. Ces valeurs, cette valeur ajoutée, nous la voulons parce que nous voulons bénéficier et être moins impactés par les marchés qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas de tirer suffisamment profit. Nous parlons aujourd'hui des précurseurs de batteries que nous voulons construire en République démocratique du Congo. Nous mettons en place des zones économiques spéciales. Et tous les jours, nous parlons du climat des affaires. Plus de 300 personnalités ont pris part à cette rencontre où des entreprises minières, services et banques ont partagé leur expérience. Et c'est là, en vue d'attirer des investisseurs potentiels. Ministre d'État à la décentralisation et réforme institutionnelle se dit déterminé à renforcer la cellule technique d'appui à la décentralisation en ressources financières. D'entre deux jeux, Maître Eustache Mouhansi Mumbembe, autorité de tutelle, a rappelé l'importance de la mission dévolue à la CETAD dans la mise en œuvre de la décentralisation en RDC, les suivis et l'application des décisions du comité interministériel de pilotage de coordination des suivis et de la mise en œuvre de la décentralisation. En présence du coordonnateur, de son adjoint et le secrétaire général AI ainsi que le chef de section, les patrons de la décentralisation a également, avant d'écouter ses collaborateurs, émis le vœu de renforcer en ressources financières, mais également humaines, ce service conformément au plan d'engagement budgétaire en vigueur. Faisant sienne les conditions difficiles de travail de cette cellule, Maître Eustache Mouhansi Mumbembe, ministre d'État en charge de la décentralisation et des réformes institutionnelles, a mis en contribution dans un échange constructif l'ensemble de chefs de section pour des propositions constructives et pragmatiques en conformité avec l'esprit du constituant. Plusieurs problèmes ont été soumis, parmi lesquels la non-tenue de réunion du comité interministériel de pilotage présidé par le Premier ministre, l'insuffisance de moyens mise en disposition par le gouvernement afin de disposer de contreparties nécessaires à l'application de partenaires techniques et financiers, le renforcement des outils de vulgarisation des dispositions légales sur la décentralisation. Le ministre d'État, Maître Eustache Mouhansi, a rassuré ses collaborateurs de sa volonté d'apporter des solutions idoines à leurs préoccupations, sachant que la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD constitue les piliers sur lesquels repose la politique nationale de la décentralisation qui est vouée à garantir le développement intégral des entités territoriales décentralisées. Dans le cadre du partenariat public, le directeur général de l'agence de pilotage de conventions, de suivi et collaboration est venu solliciter l'accompagnement de la radio-télévision nationale congolaise pour la visibilité de ses activités sur terrain. C'est une rencontre pour nouer les partenariats entre la radio-télévision nationale congolaise et l'agence de pilotage de coordination de suivi et de conventions de collaboration. Appelé à déployer plusieurs activités sur terrain, le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Yodi Chembo, a sollicité l'accompagnement de la RTNC. J'ai été reçu par Madame le directeur général et nous avons eu des échanges très riches parce que cette agence a entre autres responsabilité de suivre le programme sino-congolais. Et vous savez que l'encre a sérieusement coulé au sujet de ce programme-là il n'y a pas longtemps. Et nous avons estimé qu'il est important que nous puissions communiquer abondamment parce que c'est par l'information que le peuple peut participer à la gestion de la chose publique. On ne peut juger que ce qu'on connaît. On ne peut émettre son opinion que sur ce qu'on connaît. Et donc, nous avons trouvé dans Madame le directeur général une interlocutrice très attentive à nos besoins. Nous estimons qu'avec beaucoup plus de transparence dans la communication autour de ce programme, on va éviter l'opacité qui a été à la base de beaucoup d'ennuis dans le passé. La radio-télévision nationale congolaise, considérée par beaucoup comme une chaîne fiable, suivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et sur bouquet numérique, elle reste au contact permanent avec tous et favorise la communication entre les institutions et la population. C'est pour nous l'occasion de faciliter la compréhension de ces différents contrats dans lesquels l'État congolais s'est engagé, surtout vis-à-vis de la République de Chine populaire. La direction générale nous a donné des assurances
pour désormais passer par notre canal, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, pour informer le grand public sur les engagements de l'État, les travaux qui sont attendus à travers le pays et les réalisations qui sont en cours. L'église au milieu du village, la Radio-Télévision Nationale Congolaise se veut être une chaîne au service de la nation pour former, informer et divertir son public. Parlons à présent infrastructure routière pour vous signaler que plusieurs chantiers sont ouverts à Kinshasa et sont en cours d'exécution. C'est le cas des avenues Sport dans la commune de Kassavubu, Étoile dans la commune de la Gombe et Kulumba au quartier Kingabwa dans la commune de Limété. Bientôt, l'avenue Kassavubu, dans son tronçon compris entre le boulevard du 30 juin à la hauteur de la Grande Poste dans la commune de la Gombe et la place Rond-Point Victoire, va revêtir sa plus belle robe d'antan. Les travaux de sa réhabilitation par l'entreprise Aron Sarel ont été lancés au cours d'une brève cérémonie solennelle présidée mardi 6 février 2024 par le gouverneur manager Gentili Kobilambaka. Dans cette perspective que nous faisons notre la vision chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par sa phrase célèbre, je cite, « Le peuple d'abord ». La réalité de cette chaussée de l'avenue Kassavubu, reliant les grands marchés et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ses faits impact sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. L'autorité urbaine, visiblement très déterminée, a redoré les blasons ternis depuis belles lurettes de la ville de Kinshasa, entend offrir à ses administrés un réseau routier assez praticable, à l'instar des avenues Elengessa, Kikwit, de la Paix, Sekomaf et le pont Bongolo, pour ne citer que celle-là. Et c'est en dépit des difficultés d'ordre financier dues à plusieurs contraintes, a-t-il fait savoir. Une journée de partage d'expérience a été organisée à l'intention des élus congolais par les élus français d'origine congolaise. Cette rencontre avait pour but de mutualiser les compétences et expertises acquises en France pour appuyer la RDC dans plusieurs domaines clés pour son développement. Ils ont toujours le Congo, pays de leurs ancêtres, dans le cœur. Les élus français d'origine de la République démocratique du Congo peaufinent des stratégies pour créer un lien entre les collectivités occidentales et celles du Congo-Kinshasa. C'est dans cette optique que cette catégorie de la diaspora congolaise s'est retrouvée pour élaborer un plan des actions à mener au cours de l'année 2024. Une initiative du collectif des élus français d'origine de Congo-Kinshasa, CEFOC. Je suis fier de voir une jeunesse qui est engagée, une jeunesse qui veut continuer le travail du CEFO, qui est de mettre en lien entre les collectivités du Congo Kinshasa et les collectivités françaises. Et nous sommes, en tout cas les élus français originaires du Congo, ces ambassadeurs-là qui vont faire le relais avec le Congo Kinshasa, parce qu'on y croit au potentiel du Congo, on y croit aussi à ces échanges-là avec la France, parce que nous sommes le premier pays francophone et nous souhaitons que vraiment ces relations-là se raffermissent encore. Pour les initiateurs, la rencontre était une occasion de présenter les vœux pour l'année 2024, non seulement aux Congolais de l'étranger conviés à cette cérémonie, mais aussi à ceux qui vivent en République démocratique du Congo et ailleurs. Plus de 80 experts nationaux et internationaux et locaux de la société civile, des agences de système des Nations Unies, les chefs d'agence venant de plusieurs coins du monde se sont retrouvés à Soulouteni, hôtel de la Gombe, pour la 4e revue annuelle du plan cadre de coopération des Nations Unies sur les travaux de la revue annuelle 2023.
Devant les experts des Nations Unies, le membre de la société civile, le gouvernement congolais et d'autres partenaires bien engagés dans l'atteinte des objectifs du millénaire, ils ont évalué, après réflexion, le progrès réalisé jusqu'à présent pour identifier les défis persistants et explorer les opportunités qui se présentent dans la mise en œuvre des engagements communs en faveur du développement durable. Les coordonnateurs humanitaires, les Marquis, a relevé quelques points essentiels de cette revue annuelle. En 2019, le système des Nations Unies en RDC a signé avec le gouvernement congolais un cadre de coopération pour le développement durable couvrant la période 2020-2024. Ce cadre constitue, comme vous le savez, la réponse collective des Nations Unies aux priorités nationales inscrites dans le plan national stratégique de développement et contribue aux efforts de la RDC à réaliser les ODD. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumimoi Lutuka, a salué les efforts des agences du système des Nations Unies. La collaboration avec les Nations Unies se manifeste à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ensemble, nous travaillons pour élaborer des plans et des stratégies de développement qui répondent aux besoins et aux priorités exprimées par le gouvernement et alignées aux objectifs de développement durable, comme gage de notre engagement commun à résorber les problèmes de la population congolaise. Parmi les temps forts de cette évaluation, l'on retiendra les interventions de différents orateurs, les trois axes composés de plusieurs personnalités. Il s'agit, premièrement, l'axe basé sur la consolidation des droits, le respect des droits de l'homme, la protection des civils, la cohésion sociale et la démocratie. L'axe 2 a abordé la croissance économique inclusive, le développement agricole, capture des dividendes démographiques, la protection et la gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, le troisième axe a concerné l'accès aux services sociaux de base et assistance humanitaire. Chaque intervenant s'est félicité de l'atteinte des objectifs fixés. Et en nouvelle, éliminée en demi-finale par la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo va affronter l'Afrique du Sud en petite finale le samedi 10 février prochain et le dimanche 11 février, les éléphants de la Côte d'Ivoire seront face au super sigle du Nigeria. Au nom de la grande équipe composée de Mamita Bangoulou, Maxime Androukois, Redin Poi, Joël Piangou, François Kapiamba, Rubin Kumbu, je vous dis merci de nous avoir suivis.